Bonjour, bienvenue sur letprof.fr pour ce troisième cours de statistique de la classe de 3e. Nous allons aujourd'hui comparer deux séries statistiques. Pour ce faire, nous allons prendre un exemple différent de celui que nous avons utilisé dans les deux premiers cours. Nous allons supposer que dans une entreprise travaillent 3000 employés. Parmi ces 3000 employés, il y a 1000 hommes et 2000 femmes. Et on veut comparer les salaires nets mensuels des hommes et des femmes qui travaillent dans ces entreprises. Prend bien sûr les 3000 données, les 3000 chiffres, et on commence par les classer par ordre croissante, c'est-à-dire en commençant par la plus petite valeur et en terminant par la plus grande. Qu'est-ce que l'on constate? On constate tout d'abord qu'il n'y a pas de salaire inférieur à 1200 euros, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Et qu'il n'y a pas non plus de salaire supérieur à 2200 euros, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Ensuite, on constate qu'il y a beaucoup de salaires différents entre 1200 et 2200 euros. Il y a plus d'une centaine de salaires différents. Alors, bien entendu, on pourrait dresser un tableau statistique avec plus de 100 colonnes. Mais vous imaginez que travailler avec un tableau qui a plus de 100 colonnes n'est pas une chose commode. Donc dans la pratique, on utilise un regroupement par classe de salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on va regrouper dans une même catégorie, une même classe exactement, par exemple, tous les salaires compris entre 1200 et 1300, tous ceux compris entre 1300 et 1400 euros, etc., etc. Vous voyez ici, dans ce tableau, on a pris des classes d'amplitude égale à 100 euros. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes. Voilà. Eh bien, une fois maintenant qu'on a fait ça, on compte le nombre d'hommes qui on a trouvé par exemple entre 1300 et 1400. Puisqu'il y a 1000 hommes, eh bien on en a trouvé 90 qui avaient un salaire entre 1300 et 1400, ce qui fait 9%. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on a mis un tableau en fréquence? C'est tout simplement parce que nous avons deux populations statistiques qui ont des effectifs totaux qui sont différents. Je vous rappelle, 1000 hommes, 2000 femmes. Donc le tableau statistique, maintenant, il est assez classique, mais par rapport à celui que nous avions vu dans les deux premiers cours, il y a une différence importante, puisque l'on travaille non pas par valeur, mais par classe. Vous voyez, donc ici, on a mis les limites des classes. Mais, sur la deuxième ligne, qui concerne les salaires masculins, on a mis la fréquence. Mais la fréquence, elle ne correspond pas à 1200, elle ne correspond pas à 1300. Elle correspond entre 1200 et 1300. On a 2% des hommes qui gagnent entre 1200 et 1300. 9% qui gagnent entre 1300 et 1400. Donc vous voyez pourquoi j'ai mis entre les deux valeurs la fréquence et non pas en dessous. Par contre, lorsqu'on calcule les fréquences cumulées, là c'est différent. La fréquence cumulée, par exemple, correspondant à 1300 L, à la limite de classe, qui est 2%, ça veut dire
qu'il y a 2% des hommes qui gagnent moins de 1300 euros. Donc là, il faut mettre les valeurs de la fréquence cumulée en dessous des limites de classe. Et non pas, comme pour les fréquences, entre les limites de classe. Voilà, ceci étant dit, vous avez ici sur la première ligne, bien sûr, le salaire, c'est habituel, c'est-à-dire la valeur du caractère, la fréquence sur la deuxième ligne, la fréquence cumulée sur la troisième ligne, ça donne la distribution des salaires masculins. La quatrième ligne, vous avez la fréquence des salaires féminins. La cinquième ligne, fréquence cumulée des salaires féminins. Donc ça donne la distribution des salaires féminins. Alors maintenant, la première opération que l'on fait dans un tableau comme celui-là, c'est de calculer la moyenne. La moyenne, je ne reviens pas sur sa définition, c'est somme des nxi sur petit n, mais je vous avais montré dans le cours précédent qu'on pouvait aussi la calculer avec comme somme des fixi. Alors ici, les xi, on n'a pas les valeurs exactement, on n'a que les classes. Donc on fait une approximation, mais qui se révèle excellente. D'ailleurs, on peut la démontrer, mais ceci nécessite des calculs un peu compliqués. On peut la démontrer en utilisant les centres de classe. Les centres de classe, vous voyez ici, entre la classe 1200 et 1300, on appellera centre. On utilisera souvent CI. Le centre de classe entre 1200 et 1300, c'est tout simplement la moyenne entre 1200 et 1300, etc., etc., etc. Donc, pour calculer la moyenne, on va calculer FI, la fréquence, que multiplie CI, c'est-à-dire que ça veut dire que l'on suppose que la totalité des hommes, les 2%, qui gagnent entre 1200 et 1300, on fait comme s'ils gagnaient 1250 euros tous, etc., etc. Donc vous avez le produit FI homme, ça veut dire la fréquence pour les salaires masculins, bien entendu. 1250 que multiplie 2, ça fait 2500, 9 que multiplie 1350, ça fait 12150, etc., etc., etc. Bon, et la moyenne, qu'est-ce que c'est? Mais la moyenne, c'est le total de tout ça. Alors attention, on trouve 161 500. Vous allez me dire, le salaire moyen, il n'est pas de 161 500 euros. Hein. Non, bien sûr. Mais je vous rappelle qu'ici, nous avons fait tout le calcul de fréquence en pourcentage. Donc, ici, tout est multiplié par 100. Donc ici, la fréquence est multipliée par 100. Donc pour avoir la moyenne est multipliée par 100. Donc ici, il faut diviser par 100. Donc la moyenne va être 1615 euros pour les salaires masculins. Donc X bar, on l'appelle comme ça, 1615 euros. Pour les femmes, nous faisons la même opération pour les salaires féminins. FI, femme, que multiplie CI. Bon, dans les deux premières tranches, il n'y en a pas. Donc ça fait 0. Ensuite, on a tout simplement 25 que multiplie 1450 égale 36250, etc., etc. Vous remarquerez qu'à la fin, là, nous n'avons pas non plus de femmes qui gagnent entre 2000 et 2200. On trouve aux merveilles le même chiffre qu'il faut aussi évidemment diviser par 100. Donc, le salaire moyen des employés masculins de cette entreprise est égal au salaire moyen des employés féminins de cette même entreprise. La deuxième valeur, caractéristique de valeur centrale, c'est la médiane. Je vous rappelle que la médiane, c'est la valeur du caractère, d'ailleurs le salaire ici, tel que la moitié de la population statistique gagne moins et l'autre moitié gagne plus. Donc, c'est celle qui correspond
à une fréquence cumulée de 50%. Avant de calculer cette médiane, nous allons, et pour la calculer aussi, nous allons tracer les deux graphiques que je vous ai montrés la dernière fois, c'est-à-dire l'histogramme et la courbe des fréquences cumulées. Voici l'histogramme. En fait, il y en a deux, bien entendu. Un pour les salaires féminins, en bleu, et un pour les salaires féminins en rouge. Vous voyez ici en abscisse, on a le salaire et en ordonnée, on a la fréquence, là encore, en pourcentage. Un rapide coup d'œil sur ces histogrammes, vous voyez qu'on les a tracés tous les deux sur le même graphique. Ça facilite la comparaison. Nous reviendrons sur ces histogrammes dans le prochain cours, mais dès maintenant, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir que celle des hommes, l'histogramme des hommes, est plus étalé que celui des femmes. Vous me direz, on pourrait le voir là à cause des zéros qui sont là, qui sont là. Mais aussi, on peut voir que la courbe bleue, donc la courbe des salaires masculins, est plus aplatie que celle des salaires féminins. On peut voir aussi que les deux courbes s'étalent davantage vers les salaires plus élevés que vers les salaires moins élevés. Nous reviendrons sur tout ça lorsqu'on parlera de la dispersion. Mais dès maintenant, on peut faire, vous voyez, sur ce histogramme qui sont très parlants, pour en faire ses premières remarques. L'autre courbe qui vous est familière, j'en suis sûr, c'est la courbe des fréquences cumulées. Là encore, nous avons tracé les deux courbes des fréquences cumulées sur le même graphique pour, là encore, faciliter leur comparaison. En bleu, nous avons gardé le bleu, pour les salaires masculins, vous la voyez, et en rouge pour les salaires féminins. Alors ici, je me répète, j'attire votre attention sur les points. Ici, les points que nous connaissons, par exemple ici, ces deux points-là, ce sont les points qui correspondent aux limites de classe, vous voyez, à 1500 euros. Nous avons le point bleu, 1500, où est-ce qu'il est? Il est là, 30%, vous voyez, et le point rouge qui est 25, en dessous, vous voyez. Donc en fait, ce que l'on connaît avec précision dans ces deux courbes, ce sont ces points, les points bleus et les points rouges. Et qu'est-ce que l'on a fait? Ben, on a tracé des petits segments de droite entre les points pour les relier. Ce qui donne une bonne approximation, une bonne allure de ces deux courbes de fréquence cumulée. Là encore, on peut faire quelques petits commentaires. Vous voyez ici que la courbe rouge, c'est-à-dire la courbe des salaires féminins, démarre plus tard que celle des salaires masculins. Vous pouvez le voir sur le tableau, mais elle se termine plus tôt aussi. Elle se termine à 2000, tandis que l'autre se termine à 2002. À 2000, on a déjà, vous voyez ici, pour les salaires féminins, on a déjà 100%, tandis que pour les salaires masculins, on n'en a que 95%. Ces deux courbes, donc, puisque la courbe rouge est en dessous et qu'elle passe en dessus, elle se coupe, tout simplement. Où se coupe-t-elle? Eh bien, vous voyez, si vous prenez le point d'intersection, là, ici, elle se coupe à, en ordonnée, 50%, et en abscisse,
un peu moins de 1600, 1580 environ. 50%, tiens, tiens, c'est la médiane, ce sont les médianes. Est-ce que par hasard, ces deux distributions statistiques auraient la même médiane? Ben, nous allons le montrer maintenant d'une manière un peu plus précise. Alors, comment est-ce qu'on fait un calcul un peu plus précis de la médiane? On le fait par interpolation linéaire, c'est-à-dire que entre les points que l'on connaît bien, on suppose que la courbe suit une droite et linéaire. C'est ce que j'ai représenté ici. J'ai fait un extrait de cette courbe bleue. Oui, le petit segment bleu. Pourquoi j'ai pris ces deux points-là? Tout simplement, je cherche la médiane. Je cherche le point tel que l'ordonnée soit 50%. Eh bien, je regarde ici ma ligne fréquence cumulée. Je remarque que pour la valeur du caractère 1500 euros, j'ai 30%. Pour la valeur 1600, j'ai 54%. Mais la médiane, elle est entre 1500 et 1600. Donc, j'ai reporté sur ce petit graphique un point d'abscisse 1500 et d'ordonnée 30, et le deuxième point d'abscisse 1600 et d'ordonnée 54%. Et puis j'ai tracé le petit segment de droite entre les deux. Donc je peux maintenant faire graphiquement un petit calcul de ma médiane. Je retrouve, vous voyez, 1580, peut-être un petit peu plus. Mais je vais faire un petit calcul un peu plus précis. Dire que la courbe des fréquences cumulées suit une droite ici. C'est-à-dire que son équation est de la forme grand F égale à x plus b. X étant l'abscisse, bien entendu, le salaire. Je dis qu'elle passe par ce premier point, cette droite. C'est-à-dire que lorsque j'ai une ordonnée de 30, j'ai une abscisse de 1500. Donc j'écris 30 égale 1500 petit a plus b. Pareil pour le deuxième point, 54 égale 1600 petit a plus b. Nous avons donc ici, avec ces deux équations, un système de deux équations du premier degré à deux inconnues. Je ne vais pas bien sûr vous faire un cours sur la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues, puisque vous avez un excellent cours sur NetProf dans le cours de mathématiques qui est intitulé précisément « Résolution d'un système de deux équations à deux inconnues ». Je vous y renvoie pour la méthode, l'exposé. Mais je vous ai fait ici le calcul qui est particulièrement simple. Je vous ai fait un calcul qui est particulièrement simple. En effet, si l'on fait la différence entre la deuxième moins la première, vous voyez, 54 moins 30, 24, égale 1600 petit a moins 1500 petit a, ça fait 100 petit a, b moins b, ça me donne 24 égale 100 petit a, c'est-à-dire a égale 0,24. Donc voilà, j'ai déjà trouvé une des deux inconnues qui est petit a. L'autre, pour trouver petit b, mais tout simplement, je reporte cette valeur de petit a dans une des deux équations, j'ai choisi la première là, 30 égale 1500 que multiplie 0,24 plus petit b, ça me fait 30 égale 360 qui est le produit de 1500 par 0,24 plus petit b, d'où petit b égale moins 330. Donc, l'équation de ma courbe dans cet intervalle est grand F
égale 0,24x moins 330. Je cherche maintenant la médiane. La médiane, c'est la valeur de x telle que grand F égale 50%. Donc c'est tout simple, j'écris 50 égale 0,24 petit m moins 330. On fait les calculs, vous voyez, 0,24 petit m égale 50 plus 330 égale 380, petit m égale 380 sur 0,24, et petit m égale 1583 euros. Je ne vous ai pas mis les décimales, pas d'intérêt. Donc vous voyez, petit m égale 1583 euros. Voilà, donc voilà la valeur de la médiane pour les salaires masculins. Alors pour les salaires féminins, je vous laisse faire le même calcul. Vous le trouverez d'ailleurs dans le texte écrit qui est adjoint à ce cours. On obtient dans ce cas-là, petit m égale 475 sur 0,30. Ben, il se trouve aux merveilles que 475 sur 0,30 égale 380 sur 0,24 égale 1583 euros. Donc voilà, nous avons deux distributions statistiques, distribution des salaires masculins et féminins, qui ont deux caractéristiques de valeur centrale identiques. La moyenne 1615, la médiane 1583. Vous remarquerez au passage que la moyenne est légèrement supérieure à la médiane. Je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, mais nous l'expliquerons dans le prochain cours lorsque nous parlons des dispersions. Deux caractéristiques de valeur centrale. Parfois, on utilise une troisième caractéristique de valeur centrale que l'on appelle le mode. Le mode, c'est la valeur qui a la plus grande fréquence. Alors ici, on n'a pas vraiment de valeur qui a la plus grande fréquence, mais on a une classe qui a la plus grande fréquence. C'est très facile à voir sur l'histogramme. Ici, tout simple, c'est la classe comprise entre 1500 et 1600, à la fois pour la courbe des salaires masculins. Vous voyez ici, c'est le point le plus haut là, des bleus, et aussi pour les salaires féminins, c'est le point le plus haut des rouges. Donc là, la classe modale pour les deux salaires, les deux distributions de salaires, c'est aussi entre 1500 et 1600. Mais le mode n'est pas beaucoup utilisé, les principales sont la moyenne et la médiane. Vous voyez donc que ces deux séries statistiques ont les mêmes caractéristiques de valeur centrale. Mais pourtant, il y a bien des différences. Vous voyez l'histogramme, la courbe de fréquence cumulée, le tableau, tout vous dit qu'il y a des différences. Eh bien, ces différences, nous les verrons, nous les étudierons dans le prochain cours de statistique, le cours numéro 4, auquel je vous convie. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.